Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour les annonces de ce samedi 20 juin 2020. À la suite des décisions gouvernementales concernant la réouverture de nos lieux de culte, nous vous informons que l'église de Puiseux-Pontoise sera officiellement ouverte le samedi 1er août 2020. Les différents départements mettent tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Bien sûr, les gestes barrières seront appliqués et nous vous saurons gré de bien vouloir les respecter. Le nombre de places par sabbat sera limité à 40 places assises, hors officiants. C'est pourquoi un système d'inscription sera mis en place. Nous vous donnerons plus d'informations dans les prochaines semaines, alors restez connectés. Nous vous informons qu'à partir du mois de juin, tous les troisièmes dimanches du mois, l'équipe de la trésorerie sera à l'église pour ceux et celles qui n'ont pas pu faire le virement bancaire pour leurs dîmes et leurs offrandes et qui voudraient les apporter à l'église. Ils y seront de 9h30 à 11h. Les gestes barrières seront mis en place et nous vous saurons gré de bien vouloir les respecter. N'oubliez pas votre masque, l'équipe trésorerie reste à votre écoute si besoin. Chers parents, l'équipe EDS Enfants et Jeunes de Puiseux-Pontoise, Franconville et Chambly attendent les enfants et les jeunes comme d'habitude chaque sabbat sur l'application Zoom. Attention, il y a un nouvel ID pour toutes les sections à retrouver sur notre site internet. Le programme débutera à 9h30 pour terminer à 10h20. Très important, nous invitons les parents à renommer leur appareil à chaque connexion en précisant le nom de l'enfant et l'âge de 0 à 11 ans ou alors la section SMS ou connecte-toi pour les jeunes. Nous allons ensuite nous retrouver tous ensemble pour le culte à 10h45 sur l'ID Zoom habituel ou sur la chaîne YouTube Église Adventiste Pontoise. Vous trouverez plus d'informations sur notre site internet puisepontoise-adventiste.org. Annonce fédérale. Selon le ministère de l'Intérieur, les violences conjugales auraient augmenté de 30% durant le confinement. Quand on parle de violences conjugales, on pense bien souvent aux violences physiques et on oublie les violences verbales ou psychologiques qui peuvent provoquer les plus grandes souffrances. Le département couple et famille de la Fédération nous propose un rendez-vous avec deux psychologues expérimentés, connaissant bien le phénomène des violences psychologiques. Ils nous aideront à discerner les différentes formes de violences psychologiques, des plus légères aux plus sévères, et surtout, nous donnerons les outils nécessaires pour en sortir et nous en protéger. Si le sujet vous concerne ou vous intéresse, ne manquez pas de vous connecter via l'application Zoom le dimanche 28 juin à 19h. Si vous le souhaitez, vous pouvez également témoigner ou poser vos questions. Faites passer l'annonce, nous vous attendons nombreux. Plus d'informations sur le site internet de la Fédération adventisteffn.org. Toutes les adresses seront dans la description de cette vidéo. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos annonces sur l'adresse mail communication.puisepontoise@gmail.com. Je vous laisse avec la suite du programme et je vous souhaite un bon sabbat. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons en ce sabbat 20 juin afin de louer notre Seigneur ensemble. Ensemble? Non, c'est vrai. Nous sommes tous chez nous. Mais nous sommes ensemble car nous sommes unis en Christ qui est notre Sauveur. Je souhaiterais partager avec vous un texte qui se trouve dans Psaume 46, les versets 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.
Chantons Alléluia, car notre Dieu est capable de nous consoler et de nous réconforter. Je vous invite à rentrer dans cette louange avec un cœur léger et rempli de joie. Bonne louange à tous. Éternel, louange à l'agneau.
Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Nous lirons les versets 13 à 15 du livre de Jérémie au chapitre 3. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis ton maître, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta grandeur, te remercier parce que tu es le Dieu créateur, te remercier parce que tu es le Dieu rédempteur. Nous venons pour t'adorer, car tu es le Saint, tu es le vivant. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons la paix. Merci pour la semaine que tu nous as permis de passer. Merci, Seigneur, pour la vie, la santé que tu nous as conservée. Père très saint, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te remercier aussi pour tout ce que tu nous as permis de faire durant cette semaine. Malgré toute ta bonté, malgré ta miséricorde, Seigneur, nous avons péché contre toi. Et je viens aussi te demander pardon pour chacun de tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, et lave-nous dans le sang précieux de Jésus. Ce matin, Seigneur, tu t'es choisi un serviteur en la personne de Josué, merci Seigneur de l'avoir béni, d'avoir béni sa famille. Merci de lui donner la parole facile, de lui donner le message, Seigneur, non seulement pour lui, mais le message pour tes enfants, pour chacun d'entre nous. Que ce message, Seigneur, puisse nous permettre de nous rapprocher de toi. Que ce message, Seigneur, puisse nous permettre de te louer, de te glorifier parce que tu es un Dieu d'amour. Père très saint, ce matin aussi nous t'avons amené nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, merci de bénir ces fonds et de permettre, Seigneur, que ceux qui sont en charge puissent aller de l'avant. Aller de l'avant dans le sens, Seigneur, de permettre que cet argent soit converti en âme gagnée. Merci, Seigneur, de faire pleuvoir sur ton peuple cette bénédiction spéciale que tu réserves à tous ceux qui, en ce jour, s'arrêtent, en ce jour, Seigneur, te glorifient et sanctifient ton saint nom. Ô Père très saint, merci de nous entourer de ta grâce et de ta présence et faire, Seigneur, de ce jour pour chacun d'entre nous un jour de bénédiction. Merci de nous garder dans ta paix. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Je t'ai prié, Seigneur, non pas par mes mérites, mais c'est au nom puissant de Jésus. Et que la gloire soit à toi, au siècle des siècles. Amen.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Nous sommes heureux en ce beau jour de sabbat. L'Éternel nous a fait un cadeau merveilleux, celui de nous donner un jour mis à part pour pouvoir nous reposer et surtout pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier et pour prendre ce temps avec lui. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Bienvenue à vous tous qui êtes présents. Nous n'avons pas la possibilité de nous rendre dans sa maison, mais nous savons une chose, c'est qu'il est présent dans notre maison, dans nos maisons. Le Seigneur est présent et c'est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse en ce beau jour de sabbat. Soyez heureux et que nous puissions nous reposer à l'ombre de ses ailes. Nous voulons aussi manifester notre reconnaissance à notre Dieu. Lui dire, Seigneur, nous te remercions parce que tu nous donnes tant de choses. Nous ne pouvons compter tes bienfaits. Et nous voulons lui dire aussi par nos dîmes et nos offrandes que nous apporterons aussi. Merci, Seigneur. Nous allons lire ce passage qui se trouve dans le livre de Lévitique 27, le verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et nous savons que ces dons, tout ce que nous remettons à notre Dieu, c'est pour faire avancer son œuvre et pour être aidés aussi ceux qui sont dans le besoin. Que l'Éternel bénisse chacun de nous et que nous puissions rester en sa présence. Bon sabbat à vous tous. Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour à vous les adultes. J'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, c'est à mon tour de vous raconter l'histoire. C'est celle de la famille de Lot, et précisément de Lot. Lot et sa famille habitaient dans une vallée, dans une plaine. Et dans cette plaine, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers, il y avait beaucoup de pâturages pour les troupeaux de Lot, parce que Lot était berger. Mais malheureusement, dans cette plaine, ou dans la ville où habitait Lot, ben les habitants étaient très méchants. Tellement méchants que Dieu lui-même avait décidé d'éradiquer la ville, de détruire la ville et ses habitants. Parce que ses habitants n'obéissaient pas à Dieu. Ses habitants faisaient ce qu'ils voulaient. Mais c'est pourquoi Dieu, il a voulu sauver Lot et sa famille. Alors, il a envoyé des messagers qui sont des anges, deux anges. Et ces anges avaient la forme des hommes. Ces anges sont partis et voilà qu'ils sont arrivés à la porte de la ville de Sodome. Et devant la porte de la ville, il y avait Lot. Il était assis là. Et dès qu'il a vu ces étrangers, ces deux messagers, il a couru vers eux pour les recevoir. Et il leur a dit, « Venez, venez sous mon toit. Je vous invite. Entrez chez moi. » Mais ces deux messagers ne voulaient pas entrer. Et Lot a insisté. Et en insistant, ils ont accepté d'entrer chez Lot. Il leur a préparé, Lot, de quoi manger. Et pendant qu'ils étaient à table, il y a tous les habitants, tous les hommes, les petits comme les vieux, sont venus devant la maison de Lot et l'ont entouré. Ils criaient, « Lot, Lot !» Fais sortir ces hommes, fais-les sortir de ta maison. Alors Lot est sorti vivement, a fermé tout de suite, refermé la porte derrière lui et a commencé à parler à la population. Et il leur a dit, maintenant ces hommes sont venus sous mon toit, ne leur faites pas de mal, je vous en prie. Mais ils voulaient rien entendre. Et plus Lot criait, pour les arrêter, pour leur dire maintenant d'arrêter,
Eh bien, ses habitants, ils continuaient à crier. Et à crier, fais-les sortir. Et tellement ils étaient en colère, ils ont même bousculé leur temps. Ils voulaient entrer. Alors, les anges qui étaient à l'intérieur se sont précipités et ont tiré leur temps pour entrer, pour le faire entrer dans la maison. Et tout de suite, ils ont refermé la porte. Et ces deux anges, ces messagers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aveuglé les hommes. Et là, ils ne pouvaient pas voir pouvaient pas voir la porte pour entrer dans la maison. Et les messagers, après cela, les deux anges, qu'est-ce qu'ils ont dit à Lot? Ils ont dit à Lot, nous sommes venus t'avertir. Nous sommes venus te sauver, toi et ta famille, parce que Dieu va détruire la ville de Sodome et les autres villes qui sont à côté. Parce que les hommes sont devenus très méchants. Ils font ce qui est mal. Ils font ce qui déshonore Dieu. Ils n'obéissent pas. Alors, nous sommes venus t'avertir et te sauver. Toi et ta famille, partez, sortez de la ville. Allez dans les montagnes. Et là, c'était le soir. Et Lot a pris du temps pour partir. Mais avant ça, les messagers lui ont dit, « Est-ce que tu as de la famille dans la ville? Va les avertir et dis-leur de fuir. » Et Lot est parti tout de suite et il a été avertir les maris de ses filles parce que Lot avait deux filles. Alors il a été les avertir, il leur a dit, « Fuyez, partez, sauvez-vous parce que Dieu va détruire la ville. » Mais pour eux, Lot plaisantait. Ce qu'il disait n'était pas vrai. Lot insistait, mais eux, ils ne croyaient pas. Ils n'ont pas cru. Et voilà que Lot retournait chez lui. Et ils ont passé toute la nuit. Et le matin, voilà que les messagers, les anges, lui ont dit, « Fuis, ne reste pas, fuis. » Et comme Lot hésitait, il tardait. Les messagers l'ont pris par la main, ont pris la femme, ont pris les deux filles et les ont tirés de la ville, les ont fait partir. Et il leur a dit, courez, ne vous arrêtez pas en chemin, ne regardez pas en arrière, sauvez-vous pour votre vie. Et là, Lot a dit, je ne peux pas arriver jusqu'aux montagnes, jusqu'à la montagne, c'est trop loin, je ne pourrais pas arriver à temps. Alors, je vous en prie, permettez-moi d'aller dans cette petite ville qui est à côté. Alors, les deux messagers lui ont permis d'aller dans la ville. Ils sont partis, ils ont couru. Ils n'ont pas regardé et ils ont continué leur route. Ils ont couru. Mais, malheureusement, en chemin, la femme de Lot s'est retournée. Et il s'est passé quelque chose de désagréable. Elle a été transformée en statue de sel. Et Lot et ses deux filles ont continué la route. Et ils sont arrivés dans la ville de Tsoar, une petite ville. Et voilà qu'ils ont été sauvés. Ils se sont réfugiés là. Et après, effectivement, la ville a été détruite. Cette histoire, je voulais vous la raconter. C'est pour vous dire que Dieu aime tous les hommes. Il veut les sauver. Il veut sauver toutes ses créatures. Et il a envoyé des messagers. Regardez, pour Lot, il a envoyé ses anges, des messagers pour sauver Lot et sa famille. Et tout comme il a envoyé des messagers, nous sommes les messagers du Seigneur. Toi qui m'écoutes, comme moi qui te parle, comme chacun de nous, nous sommes des messagers pour Dieu, pour dire à tout le monde, à toutes ces créatures, que Dieu les aime, que Dieu est venu pour les sauver. Il y a le méchant Satan qui veut faire du mal partout, qui fait que les hommes sont méchants, qui fait que les hommes désobéissent. Mais Dieu, il ne veut pas ça.
il veut le bonheur pour tous les hommes. C'est pourquoi il me dit à moi qu'il connaît sa vérité, d'aller dire aux hommes, d'aller leur dire, d'écouter sa voix, d'obéir. Il les aime et il veut les sauver. Alors, tu n'es pas trop petit pour le faire. Tu peux le faire quand tu racontes une petite histoire de la Bible à ton copain, à ta copine. Quand, par exemple, tu racontes ce qu'on te dit, tes parents te racontent l'histoire de la Bible, ou bien quand tu as fait une expérience avec Dieu, tu peux raconter. Et comme ça, les autres entendent et vont savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Alors, que Dieu te bénisse et que tu passes un bon sabbat, une bonne journée avec ton Dieu, avec nous. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous. Le texte biblique de ce matin se trouve dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Il est dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a la fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le cœur de chacun d'entre nous. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, je voudrais en ce sabbat matin vous saluer fraternellement en Jésus-Christ. Voilà depuis quelques semaines, je dirais même plus de 90 jours, nous nous trouvons dans un contexte particulier. Mais le Seigneur a toujours une solution pour son peuple. Alors que l'ennemi peut créer des embûches, mais Dieu a toujours une porte à sortie pour son peuple. Et dans cette attente de nous retrouver dans notre communauté, alors continuons à nous rencontrer sur Zoom comme nous le faisons et continuons à nous fortifier dans la parole de Dieu. Je vous invite à incliner la tête un moment. Notre Dieu, notre Père, béni soit ton nom et louange à toi. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes en ce sabbat, de nous retrouver dans ta maison pour te louer, te prier, te glorifier, parce que notre demeure, Seigneur, c'est ta maison. Et nous voulons, Seigneur, que tu sois l'autre en ce jour. Et veuille permettre, Seigneur, que ce moment que nous passons ensemble soit un moment fortifiant pour chacun de nous et que nous soyons attentifs à ta parole, que nous puissions, Seigneur, faire silence et que tu puisses nous parler en ce matin. Béni soit ton nom et louange à toi. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, le thème de la prédication ce matin se trouve dans 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport il y a-t-il entre l'iniquité ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport il y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport, quelle part a-t-il le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport il y a-t-il entre le peuple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père
et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La question que nous pouvons nous poser, sommes-nous le peuple de Dieu? Qu'en pensez-vous? Pour moi, j'y crois fermement, et j'espère qu'il en est de même pour vous. La méditation de ce matin, sortez de Babylone, mon peuple. Babylone, c'est une ville de l'Antiquité, capitale de la Mésopotamie, une ville construite par des génies qui fait la gloire de Babylone. Et cela représente la gloire de l'homme, et cela fait contexte avec une autre ville, celle de Jérusalem, qui fait la gloire de Dieu. Babylone est décrite dans les Saintes Écritures comme une habitation de démons, un repère de toute espèce de oiseaux impurs et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils doivent sortir de Babylone, car cela implique l'idée qu'ils sont rebelles à Dieu. Et je les comprends. Par les visions de Jean écrites au chapitre 18 du livre de l'Apocalypse, Dieu désire révéler son peuple de sortir de Babylone. Une sœur, membre de l'Église adventiste, présente son témoignage. Elle affirme avoir reçu du Seigneur un message qui lui disait de sortir de Babylone. Elle était étonnée de recevoir ce message de la part du Seigneur parce qu'elle pensait qu'elle était longtemps sortie de Babylone. Elle fut surprise quand elle reçut ce message de Dieu lui disant qu'elle y était encore. Et ce témoignage m'a beaucoup fait réfléchir, car je crois que nous sommes le peuple de Dieu. Et l'esprit de Babylone, comment s'est-il infiltré à ce point dans nos églises? Il me revient souvent à l'esprit cette image des fils de l'honneur, de ces filles d'honneur, pardon, de la parabole des 10 vierges. Il y avait 5 sages et toutes elles dormaient. Les 10 vierges représentent les membres de l'Église de Dieu. Lisons ce qui se dit dans Matthieu 25, 1 à 5. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les sages, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile avec elles dans le vase, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Je crois qu'elles dormaient tous d'un sommeil très profond, un sommeil profond que l'on peut comparer à un coma, car tellement qu'elles dormaient, on peut s'imaginer quelqu'un qui se trouve au chevet d'un comateux. On a beau lui parler ou faire ce que l'on veut, il n'entend absolument rien. Et à travers ce témoignage, je pense que Dieu veut nous réveiller, chers frères et sœurs. Dieu, il a beau crier, mais nous restons sourds au message de ses avertissements. Est-il possible que nous ne voulions pas entendre ce que Jésus désire nous dire en ce matin? Aujourd'hui, essayons de comprendre ce que Dieu désire nous révéler en ce matin. Nous connaissons tous l'histoire du livre de Daniel. Le livre prophétique de Daniel a été écrit pour le temps de la fin que nous sommes aujourd'hui. Et nous voyons que chaque histoire, c'est une prophétie pour notre temps. Au chapitre 9 de Daniel, nous voyons que Daniel, il priait pour son peuple. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, ô roi, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour,
aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause de l'infidélité dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois et à nos chefs, et à nos pères, parce que nous n'avons pas écouté ta voix. Auprès de toi, notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises d'avance pour que nous puissions les observer. Au moment que Daniel fait cette déclaration, le peuple de Dieu se trouvait déporté dans Babylone. La raison pour laquelle le peuple de Dieu se trouvait dans Babylone, c'est parce qu'il n'avait pas écouté les prophètes, les messages qui leur étaient adressés. Si nous connaissons l'histoire de l'Église adventiste, vous savez qu'en 1888, à Minneapolis, par les messagers John et Wagoner, Dieu a envoyé un extraordinaire message à son Église. Le rejet de ce message a sûrement provoqué notre égarement vers des idéologies babyloniennes. Comme au temps de Daniel, se pourrait-il qu'aujourd'hui, Dieu nous parle encore et nous révèle par les prophètes Daniel sa parole et que nous n'ayons pas écouté les serviteurs envoyés par Dieu ou que les serviteurs et les dirigeants n'ont pas écouté la voix de Dieu, et que c'est pour cela que nous avons été déportés à Babylone. Dans Message choisi, à la page 276, écoutons ce qu'il est dit. Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter la vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontrée à Minneapolis en 1888 le message du Seigneur présenté par le frère E.J. Wagoner et A.T. Jones. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver le peuple de Dieu de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désire ardemment lui communiquer. L'ennemi a empêché d'obtenir cette efficience qui aurait dû caractériser la proclamation de la vérité au monde et ce qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres à la Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire. Et ce sont quelques-uns de nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière. C'est notre histoire. Et l'esprit de prophétie nous révèle clairement que notre Église a perdu la puissance du Saint-Esprit dans une grande mesure. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a d'autres moments où nous pouvons trouver cette même situation. En lisant le Nouveau Testament, on remarque que la prière de Daniel ressemble étrangement au discours qu'Étienne a prononcé aux responsables d'Église devant les Sanhédrins, après la mort de Jésus.
Lisons cela dans Actes chapitre 7, le verset 51 à 53. Il est dit, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aujourd'hui aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. » Au verset 53, « Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée, savez-vous comment ont réagi les responsables de l'Église quand ils ont entendu la vérité de la bouche d'Étienne? Ils n'ont pas aimé cela. » Et lorsque nous regardons au verset 7, pardon, au chapitre 7 de Actes 54, 57 et 58, qu'est-ce qu'il est dit? En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Ils poussèrent alors de grands cris, ensemble, en se bouchant pardon, les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Selon vous, pourquoi le Seigneur a-t-il incité Étienne à faire ce discours accusateur? C'est peut-être que le Dieu du ciel voulait offrir une opportunité à son Église, une autre opportunité de se repentir de ses péchés. Mais malheureusement, ils ont refusé. Ils ont refusé cet appel. Ils ont fermé leur cœur à l'appel que Dieu leur lançait et cela causait leur ruine. Dieu essaye par tous les moyens de nous apporter une vérité capitale pour notre salut. Mais je constate qu'aujourd'hui, nous avons gardé l'habitude de pousser des cris d'indignation et de nous fermer les oreilles pour ne pas entendre ce que dit le Seigneur, ce que la parole de Dieu nous dit. Et l'histoire d'Étienne nous révèle que les conséquences d'un rejet constant de la vérité en Jésus-Christ sont très désastreuses pour le peuple de Dieu. Au temps de Daniel, pourquoi le peuple d'Israël a-t-il été en captivité à Babylone? C'est parce que Dieu leur avait envoyé un message. Et après ce message, ils n'ont pas écouté. Ils n'en voulaient toujours pas entendre la voix de Dieu. Et je crois que c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans la même situation. Nous sommes en captivité comme le peuple d'Israël à Babylone. À nous la confusion de face, disait Daniel dans sa prière. Oui, nous avons la confusion qui se voit dans notre visage. Dieu nous donne la victoire sur tous nos péchés. Mais nous nous disons qu'il est impossible de pécher, d'arrêter, pardon, qu'il est impossible de ne pas pécher. Il y a plein de confusion, chers frères et sœurs, dans notre Église. Et être dans un état de confusion mentale, ce n'est pas agréable à vivre. Nous devons avoir un visage plein d'assurance et de conviction. Mais malheureusement, aujourd'hui, le peuple de Dieu est envahi par l'impudicité de Babylone. Avant le retour prochain du Christ, la terre entière sera éblouie
par les vérités extraordinaires de l'amour incomparable du Seigneur Jésus. Cela est une prophétie dans le chapitre 18 de l'Apocalypse. L'ange du chapitre 18 au message du grand, pardon, à ce message de la grande lumière, il dit: je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et que la terre fut éclairée de sa gloire. Aussi, si vous lisez les écrits d'Ellen White, alors vous savez que ce message puissant est le message donné par nos frères John et Wagoner en 1888. Lisons les deux textes confirmant cela dans Testimony to Ministry, à la page 91. Il est dit que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un message des plus précieux à son peuple par les anciens Wagoner et Jones. C'est le message que Dieu a commandé de donner au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé avec une voix forte et assisté par l'effusion de son esprit dans une grande mesure. Lorsque nous regardons dans la revue Andrea Reald du 22 novembre 1892, il est dit que le temps d'épreuve est juste à nos portes, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ. Le Rédempteur qui pardonne les péchés. C'est le début de la lumière de l'ange d'Apocalypse 18, dont la gloire remplira toute la terre. Donc, Apocalypse 18 est le message même de l'ange pour notre temps depuis 1888. Et lorsque nous lisons ce que dit Apocalypse 18, le verset 2 à 4, Babylone, la grande, elle est devenue une habitation de démons parce que toutes les nations ont bu du vin de son impudicité. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: « Sortez de Babylone, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » Qui a bu du vin? Toutes les nations. Et pourquoi sortir de Babylone? Le peuple de Dieu. Nous sommes comme au temps de Daniel. Et Daniel était un prophète et il faisait partie du peuple de Dieu. Où était-il? Il était en captivité dans la ville de Babylone. Daniel désirait vivement que son peuple sorte et retourne à Jérusalem. Il ne priait pas pour lui, mais pour son peuple. Et aujourd'hui, ces réalités sont écrites pour que nous en prenions conscience. Le peuple de Dieu en captivité de Babylone. Et il doit sortir. Le peuple de Dieu est en captivité à Babylone et ils doivent sortir afin que vous ne participiez point à ses péchés et à ses fléaux. Apocalypse 14, le verset 8. Chers frères et sœurs, je crois que nous devons faire comme Daniel. Prier pour notre Église, pour notre fédération et nos dirigeants, afin que Dieu nous aide à sortir de Babylone pour retourner à Jérusalem, une ville à la gloire de Dieu. Jésus était en son temps
dans une situation similaire, même s'il vivait physiquement dans la région de Jérusalem, il était en captivité. Il était en captivité lorsque nous regardons dans le système du système corrompu de Babylone. Mais il ne se laissa pas diriger par les responsables de son église, même par sa mère, quand celle-ci ne faisait pas la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 46, le verset 50, Jésus, nous voyons, n'avait qu'un seul maître, Dieu, son Père. Personne d'autre. Alors de même pour nous, Dieu désire nous faire comprendre que nous sommes actuellement captifs en Babylone. Dieu nous appelle à en sortir en suivant cette directive qui se trouve dans les merveilles, vérité de l'amour de Jésus-Christ exprimée par le message de 1888. Rappelez-vous qu'au chapitre 3 du livre de Daniel, quand tout le monde se prosternait devant la statue d'or de Nebuchadnezzar, celle que Nebuchadnezzar avait construite dans la vallée de Babylone, qui faisait la gloire de Nebuchadnezzar. Et tout le peuple devait se prosterner devant cette statue. Alors, nous voyons l'attitude de Daniel. Dans Daniel 3, le verset 17, il nous a dit que le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, alors tous, ils se prosternèrent devant la statue. Lorsqu'ils entendirent la musique, tout le peuple, les nations, les hommes, de toute langue, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Et le peuple de Dieu, oh imaginez-vous, s'est prosterné aussi devant la statue d'or. Oui, tout le monde, au milieu de la grande multitude autour de cette statue, il y a beaucoup, beaucoup de Juifs. Et ils se sont tous prosternés devant la statue. Mais Dieu a toujours des fidèles. Et nous voyons que seuls 3 jeunes Hébreux, chers frères et sœurs, sont restés debout au risque, au péril de leur vie. Cette histoire est pour nous faire comprendre notre situation aujourd'hui, chers frères et sœurs. N'est-ce pas pour nous un message puissant, un exemple vivant? Combien resteront fidèles lorsque la décision finale sera à prendre? Dieu nous révèle qu'il y a seulement un petit nombre de fidèles parmi son peuple et que la majorité de son peuple n'obéirait pas à Dieu, mais obéirait aux ordres du roi de Babylone. Et il en est de même aujourd'hui. Oui, toute la terre est en admiration derrière la bête. Apocalypse 13, le verset 3. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, le verset 24. Par des histoires simples et récits écrites par les prophètes, Daniel, Dieu désire que nous comprenions que son peuple est dans Babylone et que seulement un petit nombre lui resterait encore fidèle.
dans notre Église actuelle. Vous savez que les nominations au poste de responsable, les décisions administratives se font selon un système où c'est la plus grande majorité qui l'emporte. Avec ce système, eh bien, nous voyons, vous êtes aussi assurés que l'esprit des fidèles adorateurs ne sera jamais considéré, car ils sont toujours en minorité dans ces décisions de l'Église. Ne soyons pas étonnés que la vérité de nos que la dérive de nos églises vers Babylone, oui, par des histoires simples. Dieu désire que nous puissions nous consacrer à son œuvre. Prions afin que, jour après jour, nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu et que Dieu lui-même puisse nous conduire. Pour cela, il serait bien que ce soit Dieu seul qui nous dirige et non une autorité ecclésiastique quelconque. Prions afin qu'un jour, que ce soit Dieu seul qui dirige son Église avec une majorité de membres qui lui soient fidèles. Oh, toutes les nations ont bu du vin, Apocalypse 13, le verset 3. C'est pour cela, qu'ils sont ivres, et se sont livrés à l'impudicité. Parmi le symbole prophétique, le vin représente l'enseignement religieux. Mais ici, ces enseignements contiennent des impuretés. Il y a de la fermentation dedans. Et cela nous fait perdre notre lucidité dans les vérités en Jésus-Christ. Que devient le pur jus de raisin quand il est fermenté? Cela devient du vin. C'est contaminé. Et le christianisme a été contaminé. Comment? Eh bien, parce que nous mélangeons la pure vérité au mensonge. L'Évangile est la puissance de Dieu qui nous donne la victoire sur le péché. Et nous prêchons par nos vies délabrées que nous sommes incapables de ne pas pécher. En exprimant cela, nous contaminons l'Évangile. Nous avons une grande amitié pour le monde. Ce monde qui nous fait boire de ce vin. Cette amitié du monde est une forme de rejet de Dieu. C'est pourquoi il nous demande de sortir de ces systèmes du monde. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Malheureusement, cet amour du monde est entretenu parmi nos membres d'Église. Aujourd'hui, beaucoup ont quitté les normes bibliques de l'humilité, du renoncement, de la simplicité et de la piété. Certains n'arrivent même pas à réformer leur vie alimentaire. Lisons quelques textes dans l'esprit de prophétie, exprimant la qualité de consécration des membres d'Église que le Seigneur désire. Dans Instruction pour un message chrétien à la page 51, il est dit, c'est une déclaration solennelle que je vais faire à l'Église.
il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur le registre d'Église qui sont prêts à terminer sa source terrestre et qui ne se trouvaient pas si cette éventualité se produisait dans la condition du pécheur habituel, c'est-à-dire sans Dieu et sans espérance dans le monde. Ces personnes font profession, oui, de suivre Dieu, mais en réalité, ils servent Mammon. Et c'est pourquoi il nous est dit que nul ne peut servir deux maîtres. Et en 1893, Message choisi à la page 422, volume 1, il est dit « Il nous faut être clairs au sujet du plan du salut. Pas une personne sur 100 ne comprend et n'applique la vérité biblique sur le sujet si nécessaire et à notre bonheur présent et éternel. » Nous voyons que ces pourcentages doivent nous faire frémir. Il nous faut comprendre qu'il est dangereux de suivre la masse, même si nous sommes tous des membres assidus. En sachant cela, nous avons encore aveuglément dans nous, en sachant cela, nous avançons encore aveuglément dans un système où la majorité l'emporte, croyant que ce sont les décisions inspirées de Dieu. Et bien souvent, c'est ce que nous disons, c'est la volonté de Dieu. Mais lorsque nous ne laissons pas de place au Saint-Esprit, ce n'est plus la volonté de Dieu, mais celle des hommes. Quelle belle illusion! Le vin de Babylone nous embrouille le cerveau, mes frères. Il est vrai, quand nous buvons régulièrement du vin fermenté, nous devenons alcooliques. Savez-vous quelle est la première chose que nous enseignent les alcooliques? La première chose qu'ils nous enseignent, c'est de reconnaître qu'ils sont alcooliques. Et c'est la première étape vers la guérison, lorsqu'ils reconnaissent. Et il est de même pour nous, lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous avons besoin du salut de Dieu. C'est la chose la plus difficile à avouer pour un alcoolique. Êtes-vous prêt à dire « Je suis confus, j'ai le cerveau embrouillé, je vacille entre la vérité et l'erreur, entre le message de 1888 et les idées chrétiennes traditionnelles ?» Les alcooliques anonymes savent mieux que nous comment se libérer du péché. On dirait que les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Luc chapitre 16, 18, verset 8. Malheureusement, le vin de Babylone est très alcoolisé. De fausses doctrines et certainement erronées, des doctrines erronées, sont en vue dans nos milieux. Ceux qui prennent ces substances toxiques affaiblissent leur cerveau et ils n'ont plus de jugement. Ils n'ont plus un jugement juste et véritable de l'Évangile. Ils doivent être parrainés par une personne sobre et pleine de contrôle de soi. Ils doivent céder leur perception de la vérité aux conseils avisés
d'un esprit lucide, l'Esprit de Dieu. Dans Jean 14, le verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, le verset 26. Le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus nous dit. Et Jésus nous dit que nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Et j'ajoute même, sourd des messages d'avertissement. Jésus nous demande de nous retirer de ce monde. De plus, le témoin fidèle et véritable nous dit que nous sommes dans Babylone, Apocalypse 14, le verset 8, et que nous devons sortir. Pourquoi sommes-nous si durs d'oreilles? Pourquoi sommes-nous sourds aux paroles de Jésus? S'il nous avertit, c'est pour notre salut. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, le verset 7. Avez-vous des oreilles pour entendre? Par tous les moyens, Dieu nous avertit de sortir du système de pensée corrompu qui s'est infiltré dans nos églises. Mais comment sortir de notre état d'ivresse? Comment, pour les alcooliques, il nous faut un temps de sevrage, un temps où aucune goutte d'alcool n'est consommée, où aucune doctrine impure n'est entendu, car sinon, nous allons rechuter dans l'impudicité. Nous devons rechercher cet endroit où nous pouvons nous abreuver d'une eau pure, sans aucune goutte de mauvaise doctrine. Un endroit où seule la vérité pure en Jésus-Christ est prêchée, où le message de la vérité présente depuis 1888 est mise à l'avant. Dieu recherche ce genre d'endroit afin d'y amener tous ceux qui désirent être sevrés du faux enseignement de Babylone. Quand il n'y a plus d'impureté, alors le Saint-Esprit agit avec puissance et des miracles de conversion se multiplient. Je prie Dieu, que l'Église puisse, en ce jour, accepter ce message que Dieu nous envoie. Quand il n'y a plus d'impureté, alors le Saint-Esprit agit avec puissance. Et là, nous verrons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous verrons des miracles se multiplier. Je prie Dieu pour que l'Église de Puiseux-Pontoise, l'Église de Chambly, l'Église de Franconville demeure pure et puissante dans la proclamation du message du quatrième ange, en abreuvant ses membres d'une eau pure et saine, sans aucun mélange. Chers frères et sœurs, que le Seigneur puisse en ce matin nous combler de ses bénédictions, que nous puissions nous laisser soumettre à l'influence de l'Esprit de Dieu, que nous puissions être attentifs aux appels que Dieu nous envoie, que nous ne puissions pas nous laisser balloter par tout vent de doctrine,
mais que nous puissions nous tourner vers Christ. Car lui seul est la vérité. Ne nous laissons pas berner par tout ce que nous entendons. Au début de ce confinement, nous avons eu beaucoup de messages sur YouTube, beaucoup de WhatsApp. Il est vrai. Je crois que si le peuple de Dieu a prié durant ce confinement comme il n'a jamais prié, nous devons continuer à prier de cette manière, chers frères et sœurs. Et c'est là que nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Et c'est pourquoi nous devons entendre cet appel, demander à Dieu le discernement, parce qu'il nous appelle à sortir de Babylone, à sortir de la confusion. Et seul si nous nous tournons vers Dieu et que nous lui disons « Seigneur, me voici, emploie-moi à ton service, instruis-moi, enseigne-moi ta parole. » Le psaume 32, verset 8 nous le dit. « Enseigne-moi, je t'enseignerai, je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. » Voilà ce que le Seigneur nous dit en ce matin. Que la parole du Seigneur puisse entrer dans nos cœurs, dans nos esprits, que nous puissions en méditer sur ces paroles et que le Seigneur puisse déverser sa bénédiction sur nous. Restons fidèles à celui qui sera fidèle jusqu'à la fin. Le Seigneur dira, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. » Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Inclinons la tête et prions ensemble. Mon Père céleste,
Nous te disons merci pour ce saint jour de sabbat que tu nous permets de passer tous ensemble en ta compagnie. Tu nous as précédés ce matin dans ces lieux et tu as permis que ce message nous soit communiqué. Nous te louons, nous te glorifions pour les moyens utilisés que tu mets à notre disposition. Ainsi, nous pourrons répondre favorablement à ta sainte convocation. Nous te demandons de nous accepter malgré tous nos manquements, Père éternel, et de nous donner et de nous pardonner nos fautes. D'une part, par le sang versé pour nous à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour toute l'humanité. Aujourd'hui, tu as parlé à chacun d'entre nous du danger que représente le monde avec ses principes qui te sont contraires. Car c'est toi qui nous as choisis en premier, Père éternel, pour nous préserver de tout mal. Ainsi, nous pouvons accomplir toutes bonnes œuvres que tu auras préparées d'avance pour nous. Que ce soit dans nos familles, au travail, dans nos vies, partout où nous nous trouvons, nous voulons être tes dignes représentants. Ce matin, nous voulons te servir, nous voulons te dire pardon, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour notre communauté, pour les églises que nous représentons. Viens nous aider à être de bons serviteurs zélés pour ton service. Tu nous as fait comprendre que les mauvaises associations que nous pouvons faire ne font que nous éloigner de toi. Aide-nous à corriger nos faiblesses. Apprends-nous à nous appuyer sur toi et sur toi seul, à nous débarrasser des mauvaises manières du monde qui nous entoure. Apprends-nous surtout à écouter ta parole, à la retenir chaque jour et à garder tes commandements. Que les églises soient fortes dans la foi et que nous ayons plaisir à nous réunir aussi souvent que possible. Que nous te soyons fidèles en toutes circonstances. Prépare-nous pour la mission avant ton retour. Accompagne-nous tous les jours de notre vie. Préserve-nous du mal et que ta grâce et ta paix soient sur nous tous. Nous avons aussi une pensée pour nos malades et ceux qui n'ont pas entendu ce message aujourd'hui. Daigne les bénir où qu'ils soient, les nourrir, les fortifier et les guérir selon ta volonté. Allège leur souffrance et que nous te soyons d'une agréable odeur. Que ta grâce et ta paix nous accompagnent tous les jours de notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus, puis ton Fils unique, et pour ta gloire. Amen.